La reine Elisabeth II et Camilla, duchesse de Cornouailles, sont apparues ensemble sur une photo rare, suite à l'annonce que Camilla deviendra reine consort lorsque le prince Charles montera sur le trône. La duchesse de Cornouailles a récemment organisé une réception à Clarence House pour marquer la Journée internationale de la femme. Camilla a invité 90 femmes incroyables pour sa première célébration en personne de l'occasion en 2 ans. Point. La liste des invités comprenait l'ancienne Spice Girl devenue ambassadrice de Women Aid, Mel B, Ina Pristaiko, l'épouse de l'ambassadeur d'Ukraine en Grande-Bretagne et l'actrice et réalisatrice Emerald Fennell, qui joue la duchesse dans The Crown. Dans un discours, Camilla a remercié les femmes et les hommes qui, pendant des décennies, se sont battus pour la justice et l'égalité, et ses invités pour leur leadership exceptionnel qui inspire les femmes et les filles à travers le monde. La duchesse a également marqué l'occasion sur Instagram. Dans un message conjoint de Clarence House et du prince William et de Kate, duchesse de Cambridge, la famille royale a rendu hommage à la vie et au règne de la reine. La légende disait, en cette année très spéciale Croisillon Platinum Jubilee, nous célébrons Sa Majesté la Reine et ses 70 ans de service historique sur Croisillon IWD2022, il a poursuivi. Mère, grand-mère, arrière-grand-mère et chef des États, le règne extraordinaire de la reine a été plus long que tout autre monarque de l'histoire britannique, inspirant une nation et consacrant sa vie au service du Commonwealth et de son peuple. Le message comprenait une série de 8 images de différentes décennies de son règne, dont une rare photographie de la reine et de Camilla. Zoé Forcé, l'animatrice de Pod Save the Queen, a depuis affirmé que cette photo était en l'honneur du message du jubilé de platine de la reine, qui mettait en avant son désir que Camilla devienne reine consort une fois que Charles serait roi. S'exprimant sur l'épisode du podcast de la semaine dernière, elle a déclaré, « Il y avait une photo de Camilla et de la reine ensemble, ce qui ressemble à quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas fait il y a quelques mois. »